Alors là les amis, je sais pas par quoi commencer. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Je fais cette intro après avoir tourné la vidéo. Ce que vous allez voir, c'est une pépite. Pour ceux qui connaissent pas les amis, j'ai fait il y a 2 ans un let's play sur un jeu qui s'appelle Green Hell. C'est un jeu de survie. Bon là, je vous rassure, il y a rien d'horreur dans cette vidéo. T'es dans la forêt amazonienne, c'est juste incroyable, l'histoire est magnifique. Je ne vais rien vous spoil durant cette vidéo. Si vous voulez aller voir mon let's play, franchement, n'hésitez pas à aller la regarder parce que ça vaut le coup de ouf. Et ce jeu vient de passer en VR. Là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir tester une version bêta. Donc qui dit version bêta dit que c'est pas encore le final, qu'il peut y avoir des bugs, que voilà, tout n'est pas encore optimisé. J'ai passé la meilleure heure de ma vie. Vous allez voir, c'est incroyable. Si jamais les développeurs là passent par là, franchement, un gros GG. Parce que de base, le jeu, c'est une pépite. Je l'ai adoré, je l'ai poncé, je l'ai... Et en plus de ça, en VR, c'est juste incroyable. Incuvo presents a game based on Creepy Joe bestseller. This is Green Hell VR. Day 1. Wow. Ok. Oh, attendez. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable, c'est le début du jeu. Oh, je vois mon corps. Non. Non. Ok. La 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 la. Donc c'est-à-dire que là, hop, et je me baisse. Non mais attendez, j'ai exactement les genoux de la même façon, mais c'est incroyable. Non, c'est incroyable, ok. Attendez, on va vraiment s'escalader là? Attendez. Ta gueule. J'y crois pas. J'y crois pas. Oh la merde. C'est incroyable. Ok. Ah, j'arrive pas. Eh ben, je serais déjà très mauvais. C'est incroyable. Allez. Ok. 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 Ah, voilà. I'm here. Hey, I made it. Is everything all right? What? Yeah. You can come up. You can come up. Just go ahead. Mm-hmm. I need to find something in my backpack. Évidemment, je vais pas vous spoiler, les amis. Hein. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, je vais pas vous spoiler. Je peux récupérer les cailloux. Attends, je vais me cogner là. Ah oui, putain, mais c'est incroyable. Et hop, je récupère le caillou. Non, mais frère, c'est trop. Et là, je peux manger le caillou carrément. Non, je rigole. Et attends, est-ce que je peux. Oh, je voulais les rattraper. Attendez. Je veux rattraper le caillou en plein vol. Je suis sûr, c'est possible. Oh ouais! J'ai. Je suis réellement ému, les gars. Ça va, chérie? La la la. Oh, un petit lézard. Oh, il y a plein de lézards. La 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 la. Il faut que je passe. We can't forget what we came here for in the first place. I know. Et hop. But as soon as we're settled in. Oh la vache. I am off to the Jabberwocka village. C'est incroyable, hein. Les gars, il y a 2 ans, j'ai fait un let's play sur ce jeu. Je suis ému. Je suis dedans. Let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Reach up to left shoulder to grab your hot the backpack. Oh non, c'est compliqué ça. Il faut que je fasse un truc comme ça. Ah, il faut que je sois à gauche en plus. Non, mais ça va, frérot. Hop. Hop. Oh, j'ai réussi. J'ai mon sac. C'est incroyable. Tu prends ça, tu mets dedans. Et voilà. Il a un beau petit cul quand même. Enfin, bon, bref. T'as un beau petit cul, tu sais. Du coup. Alors là. Fourchette. Plus. Ça, ça dégage. Ça, c'est j'aime pas là. Hop, ça dégage, voilà. Et là, on peut manger. Hop. Comment on mange? Prends ta fourchette. Paf. Oh, comme ça fait bizarre. J'ai vraiment l'impression d'avoir la fourchette dans la bouche. C'est trop bizarre, j'ai l'impression. Ok, bon bref. C'est gênant. Du coup, attends. Mia. Merde. Putain, c'est pas possible d'être aussi gauche. Mia. Mia. Viens, on joue au frisbee. Paf. Ah merde. Du coup, voilà, maintenant j'ai débloqué le feu. Donc je vais pouvoir faire un petit feu. Bah, on va le placer là en vrai. Voilà. Du coup, j'ai comme objectif de couper des arbres pour avoir du bois et pour faire ça là. Tu vois? Hop. Ok. À la fin, il n'en restera qu'un. Oh!
voyez le katana? Hop là. Paf. Et là je suis mort. Mais non. Mais regardez, c'est trop stylé. Non mais ils se sont gavés les développeurs hein. Et on fait tourner les lianes. La la la. Et on fait tourner la Eliane. C'est trop bien fait. Bon là j'ai encore du bois que je peux récupérer. Alors attendez, hop. Tac. Voilà. Je pense que ça devrait suffire là. Voilà. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Et maintenant il me faut encore du bois, mais du gros bois. Oh c'est chiant. Oh ça me fatigue. Je peux en prendre deux les gars. J'ai deux katanas frérot. Oh la vache. Eh Mia, regarde, j'ai deux katanas. Oh là là. Regardez comment j'aiguise. J'aiguise les lames. Appelez-moi Serge la lame. Mettez des pouces bleus les enfants. Très important hein. Voilà, tu vois ce bois là? Il est beau hein. Regarde. Paf. 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 Et le petit dernier coup, regarde bien. Paf. Ah merde, il en faut encore un. Paf. Oh, je suis épuisé. Hop. Magnifique. Là, je le prends. Non, ça c'est le katana. Il est là. Oh la vache, pas facile. Pas facile. Allez, on y va. Oh bah là, il est bien long lui. Eh. Oh là, oh là, oh là, oui, en effet. Attends, on va le prendre à deux mains quand même. Hop, regardez bien, ça va aller très vite. Hop, je te le mets ici. Je prends le katana et paf. Voilà, ça devrait suffire, je pense. Hop, et non, évidemment, il en faudra encore. Et là, normalement, c'est bon. Alors, attends, parce que là, je viens de récupérer une pierre, mon pote. Je suis juste le boss, en fait. Et une fois que j'ai ça, j'ai juste à... Putain, mais c'est génial, regardez bien. Regardez bien, ça va aller très vite, hein. Yes. Je suis en boss. J'ai réussi à faire un feu en VR, les gars. Mere ant bite hurts like hell. I am well aware of that, but still. If I'd have known where my ambition would lead us, they don't seem to like outsiders. Troisième jour. Putain, mais c'est même plus une démo le machin, c'est tout le jeu entier, c'est incroyable. Ok, elle m'a fait un cadeau. Après, je suis pas censé vous spoil le let's play, mais j'ai pas envie de vous spoil. Apple Watch ultra connecté, dégage-toi. Et magnifique. Voilà, c'est incroyable. J'ai une montre. Oh, c'est trop bien fait. Mais non, c'est tellement intuitif. Là, dans le sac, il y a forcément à manger. Hop. C'est de la merde. Je suis énervé. Qu'avons-nous là? Hop, voilà, je casse tout. Non, sérieux? Oh oui. Trop bon. Oh là là. Non, ça marche pas. De la merde. Ah, le ventilateur il marche. De la merde. Nul. Ça je veux. Je viens de penser un truc. Imagine, il y a un indigène en face de toi. Et ben un truc que tu peux faire en VR, mais que tu peux pas faire dans le jeu en Vanilla. Regarde bien. Paf. Ah. Bah, c'est pas ouf. Ça dégage. C'est de la merde tout ça là. Je veux pas voir tout ça. Oh attendez, c'est pas ça par contre. Ça c'est super. Oh merde. Attendez, on peut jouer aux cartes. C'est vraiment super bien fait pour le coup. Parce que là je m'amuse, mais c'est vraiment bien fait. Regarde, tu peux interagir avec tout. Non, ta gueule. On peut... Non. Je te... Ah non, on peut pas dessiner, on est bien d'accord. Ta gueule. C'est incroyable. Oh non, pour le coup c'est incroyable. Elle va être ravie, Mia. Oh merde. Oula, il a un problème à son kiki. Alors du coup, il faut prendre du rouge. Les gars, c'est une pépite, on est d'accord. Franchement, c'est une pépite. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je te propose une vidéo ici. Je te propose une vidéo là. Et franchement, fais-toi kiffer, tout simplement. N'hésite pas à t'abonner aussi, regarde sur ma tête. Hop là, c'est apparu. Voilà. Je te fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.